Je suis content de vous revoir tous les trois sains et saufs. Avez-vous une idée plus précise de la situation dans le premier reflet? Oui, je comprends mieux maintenant. Les occupants des rares régions épargnées par le déluge de lumière vivent chaque jour dans la peur d'être attaqués par les purgateurs. Oui, ces créatures sont de véritables bourreaux, auxquels le commun des mortels semble n'avoir aucune chance d'échapper. Mais tout espoir n'est pas encore perdu. Les innombrables victimes des purgateurs nous ont permis de comprendre quelque chose d'important. Un peu comme les fourmis avec leurs reines, la majorité de la meute répond à un cercle très restreint de spécimens redoutables, que nous appelons grands purgateurs. Si nous arrivions à terrasser un de ces monstres, nul doute que les attaques de ces sbires dans sa région d'influence se feraient moins fréquentes et virulentes. Qu'en penserait-on à Elmore? Si Vosri a réussi à imposer son règne incontesté dans cette cité, c'est grâce à sa faculté de manipuler les purgateurs. J'ai du mal à imaginer qu'il ferme les yeux sur le fait que nous cherchons à éliminer la source de son pouvoir. Tout juste. C'est pourquoi nous devons faire en sorte de chasser progressivement les purgateurs, tout en nous méfiant d'Olmore. C'est présentement mon seul espoir de sauver ce monde. Et peut-être votre unique chance d'éviter une catastrophe dans le vôtre. Laisse-moi t'expliquer en quoi consisterait exactement la réunification du premier reflet et du monde primitif. En des temps très anciens, le monde s'est divisé en 14 entités distinctes. Le monde primitif, d'où vous venez, et 13 reflets, dont fait partie le monde où nous nous trouvons actuellement. Ces mondes, bien que distincts, ont un lien spécial. Le monde primitif, en particulier, tient un rôle central dans leur relation. Prenez un de ces reflets. Imaginez que, pour une quelconque raison, l'énergie éthérée d'un certain élément atteigne un niveau anormalement élevé. Un peu comme un liquide qui déborde d'un verre trop plein, cette énergie élémentaire s'écoule dans le monde primitif. Bien sûr, cela n'est pas sans conséquences. Selon l'élément concerné, les répercussions peuvent prendre différentes formes. Des incendies ou de la sécheresse pour l'élément feu, une vague de froid pour l'élément glace. En s'aggravant, ces phénomènes peuvent devenir des catastrophes de grande ampleur et provoquer une fissure dans le mur qui sépare les mondes. L'énergie élémentaire se déverse alors à torrents dans le monde primitif, entraînant la réunification des deux mondes. Et c'est à ce moment que le surplus d'énergie provoque un désastre sans précédent dans le monde primitif, ce que vous appelez fléau. Cela peut être un séisme déchirant l'écorce terrestre pour l'élémentaire, un raz-de-marée à même d'engloutir un continent pour l'élément en haut. Telle est la véritable origine des cataclysmes qui ont ravagé votre planète à de multiples reprises. 7 fléaux ont déjà eu lieu dans le monde primitif, ce qui signifie qu'autant de reflets ont déjà disparu dans le processus de réunification. Thank you.
À l'heure actuelle, la concentration de lumière est si élevée dans le premier reflet que l'heure de la réunification n'est sûrement plus très loin. J'en reviens aux purgateurs, qui sont donc une des causes de ce déséquilibre élémentaire. Les grands purgateurs, dont je vous ai parlé plus tôt, ont chacun un territoire qu'ils inondent de leur intense clarté. C'est la raison pour laquelle la nuit a disparu en Orvrant, continent qui avait pourtant été épargné par le déluge de lumière. Tu comprends maintenant pourquoi les éliminer est si important. Cela rétablirait l'équilibre élémentaire et empêcherait la réunification de nos mondes. Alfino et moi, nous avons déjà entendu ces explications. Et nous avons tenté de faire avancer les choses, chacun de notre côté. Malheureusement, nous n'avons obtenu aucun résultat concret pour le moment. D'une part, les grands purgateurs ne se montrent pas facilement. Et d'autre part, un détail nous a contraints à attendre votre arrivée. Exarch, pardonnez-moi de vous interrompre. C'est urgent. On nous rapporte une attaque massive de purgateurs à Ulmunster. Ils seraient assez nombreux pour détruire le village tout entier. Ils pourraient se diriger vers Crystarium par la suite. Fais en sorte que chaque entrée soit suffisamment gardée. Une fois sur place, tu prendras le commandement en charge. Juste une chose. Dis bien à Alizé et Alfino de m'attendre pour engager le combat. Compris. Nous allons avoir besoin de ton aide. Le combat qui t'attend là-bas t'en apprendra bien plus que de longues explications. We'll be right back.
Je m'occupe de vous soigner. C'est parti! Pour Crystarium! À chaque mal son remède. Pour Crystarium! C'est parti! C'est parti! À chaque mal son remède. Pour Crystarium! C'est parti! Je m'occupe de vous soigner. À chaque mal son remède. C'est parti! Pour Crystarium! C'est parti! À chaque mal son remède. Pour Crystarium! À chaque mal son remède.
n'abandonne jamais. En charge. Je m'occupe de vous soigner. En charge. Thank you.
À moi, magie des anciens. Thank you.
Le grand purgateur a commencé à déverser sa lumière. Nous ne pouvons pas risquer d'y être exposés. Exarch, il faut partir d'ici. Non, c'est inutile. Lorsqu'un grand purgateur est vaincu, il laisse échapper la lumière qu'il contenait pour créer son successeur. Un mécanisme de perpétuation redoutable. Voilà maintenant un siècle que l'humanité est impuissante face à ces êtres. Mais désormais, nous avons un nouvel atout. Le pouvoir de la bénédiction de la lumière peut les vaincre pour toujours. Et sa détentrice est parmi nous. À partir d'aujourd'hui, nous repoussons la lumière pour redonner à notre monde son vrai visage. Les légendes disaient vrai. Le guerrier des ténèbres est enfin apparu. C'est si beau. Je n'en crois pas mes yeux. La nuit est de retour. La nuit telle que nous la connaissons. Qui êtes-vous pour réaliser un tel miracle? Vous, vous avez terrassé ce grand purgateur et absorbé sans sourciller la lumière qui s'en est échappée. Et ce ciel, c'est exactement comme dans la légende. Exarch? Héroïne d'un autre monde, nous avons attendu ta venue pendant tant d'années. Toi, qui grâce à la bénédiction de la lumière, as le pouvoir d'anéantir nos terribles ennemis. Ta victoire sur le grand purgateur de Grand Lac a permis aux ténèbres de revenir dans la région et à la nuit de tomber pour la première fois depuis une éternité. Leur meneur défait et la lumière chassée,
Nul doute que les purgateurs restants n'auront d'autre choix que de trouver refuge dans les territoires voisins. Car oui, l'équilibre n'a été rétabli qu'à Grand Lac, et les autres régions sont toujours sous l'emprise de ces puissantes créatures. Nous avons gagné une bataille, mais pas la guerre. À travers Norvrant, des hommes et des femmes continuent de souffrir. Entends-tu leur appel à l'aide? Je refuse de les abandonner. Je refuse d'abandonner le premier reflet au funeste destin auquel il est condamné. Même si l'avenir de ton monde est lié à celui du mien, j'ai conscience d'avoir été égoïste en vous invoquant ici, sans vous demander votre avis. Je te promets de te rendre service à mon tour lorsque le moment viendra. Mais pour l'heure, je t'en prie. Prête-moi ta force. Prête-moi ton pouvoir pour vaincre les purgateurs et ramener les ténèbres sur ce monde. Merci. Merci. Pourquoi tenez-vous tant à participer à la lutte? Vous avez déjà tant payé de votre personne pour nous faire venir dans le premier reflet. Pour les habitants de Crystarium, pour tous ceux qui ont décidé de croire en moi, je veux me battre et leur offrir une vie de paix et de sérénité.